Eh bien, YouTube Gamer Gamer, c'est Flouz aux commandes pour des nouvelles informations sur du Fortnite Battle Royale. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau pack secret qui va arriver sur Fortnite. Je vais aussi vous montrer le nouveau skin secret de Utopia. Et donc, dans cette vidéo, les gars, je tiens à m'excuser que déjà cette vidéo va être assez courte. Mais c'est le retour de mes vidéos informations, donc c'est pour cela qu'on commence petit à petit. Ne vous inquiétez pas, cet été, on va revenir en force. J'ai dû un petit peu, on va dire, me lâcher pendant un petit certain temps, c'est-à-dire que je voulais plus faire de vidéos info pour un moment parce que on va pas se le cacher, ça m'avait un petit peu lassé et donc là pour voilà pour mon retour, j'ai envie de me remettre à fond en vous faisant pas mal de vidéos intéressantes sur Fortnite comme d'habitude. Je vois que de plus en plus les vidéos informations sont lassées par beaucoup de personnes sur YouTube et qu'il y a de moins en moins de personnes qui les font. C'est pour cela que je me dis je vais me rebooster à fond pour vous en refaire petit à petit. Donc les potos, pour la vidéo, on va commencer à parler du nouveau skin secret qui a été fuité, c'est le skin Utopia. Je vous mets une image à l'instant même et vous dans les commentaires, vous allez me le noter sur 10 pour voir si ça vaut le coup vraiment de faire tous ces défis-là pour avoir les puces de décryptage. Après les potos, je vous ai parlé d'un nouveau pack secret qui est arrivé cette saison 9 à la mise à jour 9.20. Et donc, il faut savoir que ce pack-là est le pack de la saison 9 événementiel et donc s'appellera tout simplement Shadows Legends. Et donc, ce pack-là consistera avec 3 skins, un camouflage et 2 sacs à dos. Alors, qu'est-ce que tu pourras retrouver dans ce pack-là? Pour commencer, on va retrouver le skin solaire, le skin de la Saint-Valentin et le skin ombre occulte. Et bien sûr, un camouflage en noir et blanc, comme les skins qui sont intitulés Shadows Legend. Et donc, ce pack-là coûtera, pour ceux qui veulent savoir, 20$ ou 25$, soit 20€, soit 25€, tout dépendra de leur prix. L'année, la saison dernière, excusez-moi, il coûtait 20€, et pour il y a 2 saisons auparavant, il coûtait 25€. Je vous rappelle que pour la saison 7, on avait le pack Légende Glaciaire, et pour la saison 8, on avait le pack Fire. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir un petit peu comment les avoir, ils seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Nous n'avons pas encore la date officielle, que ce soit le jour ou l'heure, mais on sait que ça va arriver dès la semaine prochaine, vu que ça a été linké cette semaine avec la nouvelle mise à jour. Au passage, pour finir cette vidéo en beauté, je voulais vous montrer tous les nouveaux skins qui vont arriver dans la boutique très prochainement. Donc n'hésitez vraiment pas les gars à aller voir et à aller les noter aussi dans les commentaires en disant quel est le plus beau skin ou la plus belle pioche ou un item dans Fortnite. Et j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Pour toutes les personnes qui se demandent quel est le teaser que je mets à chaque début de vidéo, c'est ma team que j'ai rejoint depuis maintenant, on va dire, une semaine et demie, deux semaines, et que je fais du taf avec eux. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. La chaîne sera en description. Il y a un recrutement en ce moment même. Et donc, n'hésitez vraiment pas à profiter. Et sur ce, bye bye, c'était Flouz.